L'idéologie de l'initiateur Vive le Burkina Faso, Patakoure Soumaïla, alias le Tétois d'Absou, voudrait prendre la parole au nom de tous les jeunes de ma génération pour dire et expliquer l'idéologie de Vive le Burkina Faso. Chaque génération burkinabé qui arrive en place au Burkina Faso doit assumer sa responsabilité, accepter son destin et accomplir ses devoirs et ses obligations pour promouvoir Vive le Burkina Faso, afin de préparer l'arrivée de la future génération burkinabé. L'initiateur de la nouvelle génération burkinabé, Dakoure Soumaïla, alias le Tétois d'Absou, a juste une et une seule question à poser à tous les jeunes de la nouvelle génération burkinabé, 60% de la population burkinabé. Donnons le nom du jeu, son prénom, de la nouvelle génération burkinabé NGD qui est prêt à assumer sa responsabilité et accomplir ses devoirs pour prendre la tête du Burkina Faso. Le Tétois d'Absou arrivera par juste une petite conclusion. Les dirigeants burkinabés sont nos parents, nos mères et pères. Comme le président Blaise Compaoré, Romain Christian Kabore, Salif Diallo, Zéphirin Diabré, Simon Compaoré sont tous des personnes burkinabées appartenant à l'ancienne génération. Et le Tétois d'Absou sourit encore. Et je tire l'attention à tous les jeunes de ma génération burkinabée. Entre un père et fils, il n'a jamais eu de lutte dans un pays. Si la nouvelle génération burkinabée est NGB, est prête pour prendre sa destinée à main et l'avenir du Burkina Faso, donnez le nom du jeune, le nom du jeune et son prénom appartenant à la nouvelle génération burkinabé, qui est différent de Blaise Compaoré, de Simon, de Zéphirin, de Salim, de Romain Christian Kabore et toute l'ensemble de la nouvelle génération, 60%, va suivre ce jeune à prendre le destin du Burkina Faso pour corriger les erreurs de nos parents appelés dirigeants burkinabés. D'abord, orienter cette population de 17 millions dont 99,99% de cette population vit dans l'ignorance. Je répète, dans l'ignorance. Ce n'est pas dans la pauvreté, je dis dans l'ignorance. Ensuite, réorienter cette population burkinabé, 17 millions, vers l'avenir. Et redonner le Burkina Faso dans la main de la future génération. Enfin, l'idéologie de Vive le Burkina Faso reste éternelle. Jeune de la nouvelle génération, NGB, l'initiateur Dakoure Soumaïla vous appelle au calme. Chaque jeune de sa génération, s'il est prêt à prendre la destinée de ce pays à main, contacte-moi sur Facebook, sur YouTube. On va dire que tu es prêt à prendre la destinée de ce pays. Au cas contraire, Blaise Compaoré est égal là. Zéphirin Diabré. Blaise Compaoré est égal là. Romain Christian Kabore. Blaise Compaoré est égal là. Simon Compaoré. Le seul moyen et la seule voie qui aboutira à Vive le Burkina Faso est de faire sortir d'abord cette population de 17 millions dans l'ignorance. C'est l'ignorance qui handicape le développement du Burkina Faso. Pour en finir, le Tétois d'Absou dit, et je répète, en tant qu'initiateur de la nouvelle génération burkinabé,
La haine, Jezabel doit accomplir sa mission ou la trahir. Vive la nouvelle génération burkinabé. Vive le Burkina Faso. Que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les autres.